Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jean 11, 25. Le mystère de la résurrection se trouve dans la nature, car la nature nous donne l'image du spirituel. Nous allons observer un tableau d'art réalisé par une sœur en Christ, un tableau d'art dans lequel nous comprenons réellement le mystère de l'adoration où les adorateurs se réunissent toujours autour de l'arbre de la vie qui est le ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez? Voyez, lorsque nous observons ce tableau, nous nous apercevons qu'autour de l'arbre qui s'est levé majestueusement du sol se trouvent des silhouettes. Des silhouettes qui sont les restes du premier arbre mort auparavant et qui est ressuscité, sorti de terre. Ces silhouettes-là que nous voyons, c'est comme des gens qui sont autour de l'arbre, autour du ressuscité, le ressuscité, l'arbre de la vie, le type de l'arbre époux qui est ressuscité et qui donne la vie. Et on voit la terre rousse autour de cet arbre-là, et autour duquel se trouvent des croyants qu'on peut considérer comme témoins de la résurrection. Regardez bien les images, regardez bien ces images. Et pour que nous ayons la vie de cet arbre, nous qui étions desséchés, morts, il faut que nous soyons autour de l'arbre vivant. L'image de cet arbre de la sœur Michel est un tableau riche qui représente la résurrection dans la nature, la résurrection de l'époux, la résurrection de l'église, la résurrection de l'épouse. Regardez bien les images. Et pour que nous ayons la vie de cet arbre, nous qui étions desséchés, morts, il faut que nous soyons autour de l'arbre vivant. L'image de ce tableau de la sœur Michel, c'est un tableau riche en symbolisme. Ce tableau représente la résurrection dans la nature, il représente la résurrection de Jésus-Christ pour l'Église, pour l'épouse. Exactement à l'endroit où il était mort, il était desséché, l'arbre a été restauré. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Ce tableau est vraiment riche en symbolisme et les prédicateurs peuvent en avoir matière à prêcher. Nous ne savons pas ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, soutenez, partagez. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que Dieu vous bénisse.